Salutations, c'est DragSurvy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout bonnement, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un commentaire. Aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite, aujourd'hui on va faire une petite partie en solo. Alors, tout bonnement, je vais me remettre un peu à Fortnite, vu qu'il y a eu la nouvelle saison qui est sortie, et c'est vrai que cette saison me plaît plutôt bien, avec les skins qui sont assez variés, et c'est vrai que... avoir Tomb Raider et puis pour ceux qui connaissent Raven donc dans DC Comics, donc c'est vrai que ça rajoute un peu de trucs. Ce qui est un peu dommage, c'est quand même qu'ils aient mis un joueur de foot en skin caché. Bon, voilà, pour certains apparemment ils sont contents, mais pour moi j'aurais préféré un skin qui sorte de l'ordinaire, un truc comme Alien, un truc un peu qui sorte de l'ordinaire. Mais je pense qu'ils doivent être à court d'imagination. C'est vrai qu'ils nous ont sorti quand même pas mal de skins football. S'ils nous font pas une saison football, on va pas être loin avec... bientôt ils vont nous sortir des armes en foot, alors bon. Donc n'hésitez pas à faire le nécessaire pour cette chaîne, de vous abonner, à partager et à mettre la cloche. De laisser des commentaires, surtout les commentaires, de partager aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui ne partageaient pas. J'ai vu que dans les lives, pas mal de personnes regardaient, mais ne laissaient pas de commentaires ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pendant mes lives. Quand vous passez, même que vous soyez que là pour 5 minutes ou quoi que ce soit, dans ces coups de temps-là, si vous voulez voir des jeux, que vous soyez anglais ou quoi que ce soit, dans ces coups de temps-là, si vous êtes anglais, moi je peux faire un copier-coller de votre message, vu que je parle pas l'anglais, et je vous le retraduirai par message, vu que je ne comprends pas l'anglais. Je suis désolé, mais je sais que pour certains, ça va être une... Pour moi, ça va être une contrainte, parce que voilà, je ne le parle pas du tout. Et pour d'autres, bah voilà, c'est facile, mais moi, il faudrait que j'apprenne à parler l'anglais, mais moi et l'anglais, ça fait deux. Donc, on va partir en solo, on va essayer top 1. Donc, on va essayer, mais je vous dis qu'une fois, je fais qu'une game. Donc, si la vidéo fait 5 minutes, elle fera 5 minutes. Je vais essayer d'aller au plus loin quand même, pour durer au plus longtemps. Mais voilà, je veux pas faire une game de 20 minutes ou quoi que ce soit, surtout que vous avez la rediffusion du live d'hier c'est tout. Donc voilà. Donc pareil pour demain, live mercredi, donc 21h30 à minuit. Donc on va pas, alors là on fera pas de Fortnite. On va on va un peu varier. Je vais vous faire du The Crew, on va changer un peu, on va faire du The Crew. Et on ira sur Fallout 76 en fin de game. Donc entre peut-être 30 minutes, une heure, voire 30 minutes. Voir si je live un peu plus longtemps. Mais ça sera en fin de game. Parce que c'est vrai que Fallout c'est bien, mais c'est mieux en live. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Alors, voyons voir, on va aller... parcours distance, planeur, on va aller ici. Parce que faut que je parcours. J'essaie de faire mes défis en même temps, alors je fais surtout du far en point, comme vous l'avez vu. Parce que pour les défis bleus, c'est le mieux, clairement. Une fois que vous avez fait les défis violets et les défis en or, si vous arrivez à les faire du premier coup, pour la première semaine, clairement, les premiers défis ont été clairement assez simples, je trouve. Et moi, je pense que pour beaucoup, les défis en or ont été assez rapidement faits. Donc voilà, surtout que c'était de construire des armes et de fabriquer des armes. Donc voilà, après au niveau violet, c'était pareil, c'était de visiter les nouveaux endroits, je crois, faire des armes, parler à des personnes, les nouvelles personnes, donc tout ça. Donc clairement, voilà, c'était assez simple. C'est parti. D'accord.
prendre Silk Armor, je suis désolé. Alors, voyons voir. Faisons un peu le tour. On est loin de la zone. Ah non, ça va. En vous de cette arme là, la garder. Pas facile de regarder. Discret comme un pot de balle, toi. Il tire avant de voir s'il y a quelqu'un, quoi. Tuez-vous, j'ai pas envie de vous dire. Moi, ça tire là-bas. Je pense que c'est un bot parce que c'est bizarre. Il tire sur le bot. Après, je me trompe peut-être. Hein. C'est le bot qui tire. Parce que du coup il a défié le bot et puis il a perdu. Ah mais faut que je parle à un PNJ, moi c'est pareil. Peut-être pas compter, peut-être pas assez. On part dans la zone cette fois-ci. Thank you.
pas vu un bidon d'essence tout à l'heure. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il va me... Un joueur qui tire par derrière, ça. C'est chelou, ça, qu'il y ait une télé allumée, là. Quand même pas beaucoup de pierres, je trouve. J'espère juste que c'est pas une game à bot là, parce que je suis vraiment chaud aujourd'hui. Tire d'où lui?
petit fils de mulet. Mulet. Tu voulais te guérir? Ben moi je t'ai guéri à ma façon. Putain, aux pompes aussi, pompes de merde. Ils savent pas jouer, ils savent pas jouer en distance correctement. Ça c'est des joueurs cancer avec ce pompe là. Par contre, il m'a tiré deux fois dessus, quoi. Joueur cancer professionnel. Bon, bah bonne game quand même, 2 kills. Ça va. J'ai toujours pas retrouvé l'autre qui m'avait tiré par derrière. Pas 2 kills, 3 kills. Mais j'aurais dû faire plus attention à la place de me précipiter. J'aurais dû faire attention au-dessus. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se mettent en hauteur, mais bon. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette petite game vous aura plu. La prochaine fois je pense que ma caméra je la changerai de coin, parce que là c'est vrai que vous l'aviez sur le sur la carte, donc c'est vrai que bah vous saviez pas vraiment. Bah c'est peut-être tant mieux en fait. C'est tant mieux, comme ça j'ai le temps de mettre mon point, j'ai le temps de faire mes trucs, comme ça je vous savez pas trop où je vais. Puis bon, à un moment donné, voilà. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche et à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour un live, donc 21h minuit. Donc The Crew 2 pour les nouvelles courses et Fallout 76. On va continuer un peu notre aventure. On a quelques missions à faire, donc on va continuer notre aventure sur pour la confrérie de l'acier. Donc voilà. Allez, bonne soirée et à la prochaine les gens. C'était Drake Survie. Peace.